Tommy. Tommy, écoute-moi. C'est l'entrepreneur. C'est l'entrepreneur, ok? Je peux pas perdre ce boulot. Oui, je comprends. Écoute, on parle de ça demain, ok? Oui, on en reparle demain matin. Ouais, ok, bonne nuit. Hey! Tu me fais une place? T'as eu une dure journée? Qu'est-ce que tu fais debout? Il est tard. Oh mince, quelle heure il est? Il est largement l'heure d'aller te coucher. Mais c'est encore aujourd'hui. Oh chérie, non, pas maintenant. Je suis trop fatiguée pour ça. Tiens. C'est quoi ça? Ton anniv. T'arrêtais pas de te plaindre que ta montre était cassée. Alors, je me suis dit... Elle te plaît? Oh chérie, c'est... C'est quoi? Gentil, mais... Je crois qu'elle s'est arrêtée. Elle... Quoi? Non. Avec quel argent t'as acheté ça? La drogue. Je vends des drogues dures. Ah, cool. Tu vas pouvoir m'aider à rembourser l'emprunt. Ouais, dans tes rêves. Quelle heure? Je dois parler à ton père, il y a des... Oncle Tommy? Allô? Bonsoir, je suis Machette 61. Alors, comment allez-vous aujourd'hui? Je vous présente... je me présente, je m'appelle Machette, alias Brice. Et aujourd'hui, je vais commencer une toute nouvelle série qui s'appelle la série Un Let's Play, c'est tout simplement sur The Last of Us Remastered. Donc je vous présente, ça sera un let's play sur la version PS4 de The Last of Us. Donc j'espère que ça sera un bon let's play qui vous plaira. Et aujourd'hui on commence dans ce tout premier épisode où nous avons découvert nos deux héros, enfin un de nos héros personnages principaux. Vous allez voir que ça va être une série et j'espère qu'il vous sera assez intéressante. Et en attendant on va commencer. Donc on va explorer un peu partout. Donc là il ne marche pas le téléphone, c'est dommage. Je tiens à prévenir. J'avais déjà fini le jeu, donc faut pas vous attendre avec du suspense extrême de ma part. Ah mince, j'ai oublié de lui donner ça. Enfin bref, pour ceux qui me connaissent, je vous avais promis que je ferais un let's play sur The Last of Us, et c'est aujourd'hui que je le commence. Donc j'espère que ça va vous plaire, et puis sinon je vais vous dire bon let's play, et puis en attendant on va essayer de découvrir un peu de ça. Cher papa, voyons, tu n'es jamais là, tu détestes la musique que j'écoute, tu maîtrises carrément les films que je regarde, et pourtant bizarrement tu... Ta gueule. Faut savoir que The Last of Us est un jeu qui a gagné plus de 200 titres de jeu de l'année. C'est un jeu vraiment très réaliste, vraiment très bien fait. C'est un chef-d'œuvre artistique à mon goût. Et j'adore ce jeu, sans déconner. Quand j'ai vu qu'ils avaient fait la version The Last of Us sur PS3, mais à l'époque j'étais sur 360, j'étais trop déçu. Je m'en voulais à mort de ne pas avoir une PlayStation 3 pour avoir ce jeu. Et c'est pour ça que quand j'ai vu qu'ils faisaient The Last of Us Remastered, voilà pourquoi j'ai acheté la PS4. Tout simplement. Explosion des admissions dans les hôpitaux de la région. 300% d'augmentation suite à une mystérieuse infection. La liste des récoltes contaminées s'allonge. Rappel massif, bien entendu. Police, une femme hystérique, tue son mari et 3 autres victimes. Ah, quand même. C'est assez intéressant comme divers sujets du jour. Papa, t'es où? Alors peut-être que papa se touche dans sa chambre, on va aller voir. Papa? Non, toujours pas. Mon papa était dans son lit, visiblement, mais il n'y est plus. Alors, qu'est-ce qu'ils annoncent debout à la télé? Donc c'est agressif, apparemment, c'est le bordel. Donc, voilà. Oh, tiens, ça a pété là-bas aussi. Waouh.
pas rassurant, hein. Viens, Sarah, on va aller voir ailleurs. Ouais, cherche ton papa quand même. On sait jamais. Quand ça pète dehors comme ça, faut mieux chercher son papa. Alors, on descend. Qu'est-ce qui se passe? Ne t'inquiète pas, Sarah, tout va très bien aller. Ça va être un peu de la cohue dehors. Là. Le chien qui gueule dehors, je sens qu'on va plus beaucoup l'entendre bientôt. Téléphone. Alors ça c'est un LG, j'ai l'impression, non? Ils sont très bien présentés les smartphones dans les jeux vidéo. Une lettre, enfin un mot sur le frigo, on va voir. Tu veux rentrer tard ce soir, ne m'attends pas, tu commandes à manger? Ouais, ça on s'en branle. La vaisselle, elle a été faite? Non, que dalle, et voilà ce qui se passe quand on laisse un homme travailler tout seul dans une maison. Oh! Vous avez entendu le chien? Il a dû se faire défoncer le... Il a dû se faire bouffer le chien, je sais pas pourquoi. Enfin, je sais pas, j'ai entendu... Enfin bref, c'est un jeu... C'est un jeu de suspense extrême. Sarah, tu vas bien? Ouais, je vais bien, mais toi t'étais où là? Est-ce que quelqu'un est venu? Quelqu'un devait passer? Quelqu'un devait passer? Mais quoi, je m'en fous, moi j'approche des fenêtres, j'ai le droit de faire ce que je veux. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe chez les coupeurs? Oh là! Oh! Oula! Il vous a surpris, hein! Ouh! Vous avez sursauté sur tordi là! Ah oui, quand même! Oula! Oh! Toute cette violence là! Je suis pas sûr qu'on ait le droit de tirer sur ses voisins comme ça, enfin moi je le ferais pas! Enfin, sauf s'il voudrait me bouffer, évidemment! C'est la raison qui me fait arbitrer de tirer sur mon voisin. Ou sur mes voisines. Et puis j'ai une voisine. Ouais, et puis ça on s'en fout, allez, continuons l'histoire. Qu'est-ce qui se passe? Qui c'est Tommy? Donc Tommy c'est le frère de Joël, notre héros principal. Vas-y, grimpe à bord. Allez. On peut zoomer, c'est bien. Donc là on se retrouve à bord d'un Range Rover. Pardon. J'aime pas c'est un Range Rover. Ça va et toi? On peut allumer la radio? Ouais, bien sûr. Donc au passage on peut observer que les producteurs du jeu ont bien poussé le truc. Par exemple dans la voiture quand je tourne la vue de Sarah, elle se déplace un peu partout dans la voiture, vous pouvez voir que là elle va sur la gauche, là regarde derrière, là elle revient sur la droite. Enfin ouais, c'était un petit détail mais des petits détails comme ça font de très bons jeux. Donc voilà. Oula, s'il y a des flics comme ça qui s'activent, à mon avis, c'est pas bon. C'est pas bon signe du tout. Sûrement un paquet. Toute la famille a été retrouvée mutilée dans sa maison. Ah! Ça a pas l'air de se passer très bien là où ils sont. Là. Donc là, il y a un mec qui s'est visiblement planté en bagnole. Le pauvre. On va pas l'aider, on n'a pas le temps. Au début, il parlait juste du sud. Maintenant, il parle de la côte est, de la côte ouest. Allô? Il y a le feu dans la maison! C'est la maison de Breaking Bad! Bah, lol! Non, je déconne, c'était un troll. Wouah! Bon. Continuons. C'est assez inquiétant. Je sais pas ce qui va se passer. Faut pas les aider, non, chacun pour sa gueule, là. on sait jamais, si ça se trouve ils sont malades et puis tout d'un coup quand ils vont monter dans la bagnole, ils vont tous nous bouffer là. Faut jamais faire ça. Alors par contre, je vais faire un truc, excusez-moi, je vais régler un truc parce que la luminosité là-dedans c'est pas énorme. Hein. Alors attendez. Je vais essayer là pour voir. Est-ce que c'est déjà mieux? Bref, c'est pas terrible non plus. Bref, c'est pas flagrant quoi. Je vois plutôt que ça vient de ma télé qu'autre chose. Wouah, ça c'est le bordel par contre. Mais sors pas de ta caisse. Oh, voilà ce qui se passe. Et puis il y a sa femme qui a assez à bouffer, voilà.
C'est pas super agréable de finir comme ça. Lo, qu'est-ce qu'il fait? Oh, il est cinglé. Bon dieu, c'est le bordel là-dedans. Bougez, restez pas dans la route. C'est un petit peu dangereux ce qui se passe. Oh, doucement, toi. Et... Bah si, fonce-leur dessus, de toute façon, ils vont finir infectés, donc... Vas-y, doucement, doucement. Attention, voilà, merci monsieur. Voilà. Oh, la priorité à droite. Oh, my God. Ça va, Joël? Ça a l'air d'aller. Oh, il est en train de se... Ah, il est en train de se faire bouffer, la meuf. Oh. Ça me fait penser un peu à The Walking Dead quand on voit des gens se faire bouffer avec les fils de peau là. Bleh. Allez, à moi de jouer maintenant. Toujours rester dans le feu de l'action. Donc, bah, la meuf s'est fait visiblement bien bouffer quoi, parce qu'il y a plein de sang sur le pare-brise. Alors. Oula, oula. Oh, le gros coup de pavé dans la gueule, t'as... la grosse brique de chantier, t'as bla. Allez, viens, Ellie. Ellie, pff, ça y est, je vous ai déjà spoilé le jeu. Enfin, je suppose que beaucoup de gens connaissent ce jeu. Depuis le temps qu'il est sorti. Allez, tiens, tu nous protèges, toi. Bah, allez, on y va. À nous de jouer. Donc, ça y est, c'est Maki Control. Donc, vous pouvez voir que ce jeu est très bien animé. Hein. Donc, ça rappelle un peu l'apocalypse dans. Oh, pousse-toi, toi! Dans. Je suis fort, oh, dans une légende, je sais pas quoi. Là. Walking Dead un peu. Wow! Alors, si jamais vous arrivez à une apocalypse zombie, un conseil, ne restez jamais près d'une station essence parce que voilà ce qui pourrait se passer. Pousse-toi, toi! Alors là, je vais vous donner un petit conseil. Alors, regardez bien sur la droite après le camion pompier, il y a un mec qui va mal finir. Et c'est dommage pour lui parce que, vu comment il finit, voilà! Celui qui s'est fait pousser par la bagnole. Bah c'est désolé mais c'est... Je suis désolé mais c'est comme ça que t'as fini. Tiens, on pourrait peut-être aller au théâtre. Arrêtez de me pousser, on pourrait peut-être aller au théâtre. Ça pourrait être pas mal. Il y a une voiture en feu devant le théâtre. Non, on va visiblement le théâtre, c'est pas pour aujourd'hui. Ah, on va passer par là, nous on est des malins. Allez, poussez, putain, mais poussez-vous. Allez, on y va. T'inquiète pas, ça va aller ma grande. Oula. Ah, quel enculé. Non mais lui mon gars c'est un c'est un warrior quoi. Il met des pavés dans la gueule, il met des balles dans la tête. Bonjour. Ils ont pas l'air d'aller très bien quand même. Putain, vite, vite. Vite Joël. Ah. Donc un truc que je veux faire aussi pour ce let's play, c'est qu'afin de vous laisser un maximum de compréhension de l'histoire, je vais pas parler pendant les cinématiques, comme ça vous aurez les cinématiques sans ma putain de voix derrière. Oh. Bah je suis désolé, je peux pas t'aider, hein. J'ai ma fille à m'occuper, donc je vais vous laisser les cinématiques sans que... Je vais vous laisser les cinématiques avec une meilleure immersion, quoi. Alors on va essayer de rejoindre le pont, là, le pont de la rivière Kouai, pardon. Bonjour. Papa. Bonjour. Oula, il a pas l'air... Hein. Il a pas l'air sympathique. On va courir plus vite, hein, quand même. Bon, je vous laisse parce qu'il y a une cinématique, là. Oh my God. Ça va, chérie, c'est fini. C'est fini. Hé hey, on a besoin d'aide. Stop! S'il vous plaît, c'est ma fille. Je crois que sa jambe est cassée. N'avancez pas! Ok. Nous ne sommes pas malades. J'ai deux civils dans le périmètre extérieur. Quels sont vos ordres? Papa, où est oncle Tommy? On va te mettre à l'abri et on reviendra te chercher. Ok? Chef, il y a une petite fille. Mais... Oui, chef. Écoutez, on vient de vivre un cauchemar, ok? On veut juste... Oh merde... Je vous en prie. Oh non... Sarah! Ok, enlève tes mains, chérie. Je sais, chérie, je sais. Non... Écoute-moi, je sais que t'as mal. Ça va aller, chérie, reste avec moi.
Allez, je vais te soulever. Je sais, chérie, je sais que t'as mal. Allez, chérie, je t'en prie. Je sais, chérie, je sais. Sarah. Chérie. Ne fais pas ça, chérie, ne fais pas ça. Allez. Non. Non. Non, non. Pitié. Oh, Dieu. Pitié. Pitié, pas ça. Pitié. Nous avons désormais franchi la barre des 200 morts. Le gouverneur a déclaré l'état d'urgence. Il y avait des centaines et des centaines de cadavres dans les rues. Le monde entier a cédé à la panique lorsque l'Organisation mondiale de la santé a indiqué que les derniers tests de vaccination avaient échoué. Le pouvoir n'étant plus aux mains des bureaucrates, nous allons prendre les mesures nécessaires pour nous protéger nos citoyens. Los Angeles est désormais la dernière ville à être placée sous loi martiale. Tous les habitants sont priés de se présenter dans leur zone de quarantaine. Les rations hivernales n'ont jamais été aussi maigres et les émeutes durent depuis maintenant 3 jours. Un groupe se faisant appeler les Lucioles a revendiqué être à l'origine des 2 attaques. La foule réclame le retour au pouvoir de toutes les branches du gouvernement. Des manifestations ont éclaté après l'exécution de 6 membres présumés des Lucioles. Votre révolte à nos côtés. Quand vous êtes perdu dans l'obscurité, cherchez la lumière. Faites confiance aux Lucioles. Oui, j'arrive. T'as bien dormi? T'en veux un? Non, non, j'en veux pas. J'ai des nouvelles intéressantes pour toi. T'étais où, Tess? Dans le quartier ouest. On avait une livraison à faire. Oui. On avait une livraison à faire. Ouais. Tu voulais rester seule, tu te souviens? Alors attends, laisse-moi deviner. L'échange a mal tourné et le client s'est barré avec notre câble. Est-ce que je me trompe? L'échange s'est très bien passé. On a assez de cartes de rationnement pour 2 mois. Facile. Tu veux bien m'expliquer? J'étais sur le chemin du retour et je me suis fait attaquer par ces 2 connards, ok? Ouais, je me suis pris quelques coups, mais... Écoute, je suis en vie. Donne-moi ça. Et alors, ces connards, ils sont toujours en vie? T'es marrant. Tu sais qui c'était, au moins. Bon, écoute, c'était personne, ces types, on s'en fout. Et ce qui compte, c'est que c'est Robert qui les a envoyés. Notre Robert? Ouais, il sait qu'on le cherche. Il s'imagine qu'il va nous avoir en premier. Oh, le fils de pute, il est malin. Non. Il est pas assez malin. Je sais où il se cache. Ça m'aurait étonné. Le vieil entrepôt de la zone 5. Mais j'ignore pour combien de temps. Oui, ben je suis prêt maintenant, ok? Oh, ça va. Bien, alors, on se retrouve donc 20 ans plus tard, avec notre fameux Joël qui a perdu sa fille, comme vous l'avez vu dans la cinématique, c'est assez dommage pour lui. J'avoue que la première fois que je l'ai fait, j'ai eu la larme à l'œil quand même. Je vais pas vous le cacher, j'ai pas pleuré, mais j'ai eu la larme à l'œil. Ça m'a fait un peu comme, comme une gonzesse qui a regardé Titanic, par exemple. Enfin bref, ça c'est un détail. Donc, on se retrouve donc 20 ans plus tard, et comme vous l'avez vu dans la cinématique, le virus, en fait, vient pas directement d'un truc bien bizarre, ça vient d'un champignon qui pousse et qui propage des espèces de pollen contaminants. Et ce qui fait que quand les gens respirent, ce pollen, eh ben, il se transforme et des champignons poussent sur eux, donc ce qui fait qu'ils sont infectés. Et on peut avoir l'infection par morsure, comme un type de zombie, comme un truc d'apocalypse.
Donc c'est un scénario assez bien pensé, avec même un virus assez bien pensé aussi. Donc là on se retrouve donc 20 ans plus tard dans le quartier de la zone de quarantaine, donc là où il y a tous les survivants qui ont survécu à l'infection. Il faut savoir que la zone de quarantaine est contrôlée par des soldats, des anciens soldats du gouvernement. Et il y a un groupe de terroristes qui fait tout pour que ces soldats, enfin, pour que ce gouvernement soit mal vu, qui s'appelle les Lucioles. Et vous allez voir que, par exemple, là, c'est écrit sur le mur « Look for the light », c'est-à-dire « chercher la lumière », et une sorte de message de propagande des Lucioles. Donc là, vous allez pouvoir voir qu'ils vont se faire contrôler par un scanner qui permet de savoir s'ils sont infectés ou pas. Et je vais vous laisser regarder ce qui va se passer, donc pour lui, tout va très bien se passer. Donc là, il est clean. Lui, c'est pareil, il est clean. Enfin, je vous spoil un peu, hein, c'est un peu con, mais c'est comme ça. Voilà. Elle va mal finir, vous allez voir. Ah, la pauvre. Donc là, il lui injecte je pense que c'est de l'arsenic ou un poison qui agit très vite parce que regardez, elle fait des blablabla, puis allez, hop, ça y est, elle est neutralisée. Et lui là, il va pas se laisser faire, hein, il a l'air sympa, regarde. Alors lui, il est là, il fait non, je veux pas, ah. Et voilà, il est mort, il ne fait plus partie de ce monde. Donc c'est comme ça, c'est triste, mais c'est ce qui est devenu le monde de The Last of Us. Donc là vous pouvez voir au passage que le jeu est très très bien fait. Franchement c'est un magnifique jeu. On va aller voir nos potes là. Donc là il y a une conversation optionnelle, une conversation secrète là si jamais vous voulez chercher. On s'en branle, nous aussi nous importe l'histoire. Donc voilà, c'est un monde dirigé par un gouvernement qui est dirigé par des soldats, etc. C'est un peu. C'est vraiment le monde post-apocalyptique qu'on pourrait voir dans les films ou des conneries comme ça. Ou même dans la série The Walking Dead. Enfin, sauf que dans The Walking Dead, il n'y a plus le gouvernement du tout, donc. Il n'y a même pas de zone de quarantaine. Enfin, je crois pas. Donc là, bah, on se fait contrôler, évidemment. Hein. Et là, on va pouvoir voir nos lucioles qui vont déjà faire des actions. Voilà. Ils ont fait péter le camion derrière. Donc nous, on va se casser vite fait, bien fait. Allez, on se casse. Donc voilà, ça va être un let's play assez intéressant parce que le jeu est quand même très très long. Donc vous allez voir que c'est... Bon, je vous le cache pas, dans ce jeu, il y a vraiment des passages que j'aime pas faire. C'est du genre, il y en a un, déjà, c'est le passage dans l'immeuble avec les claqueurs. Il y en a un autre, c'est le passage avec le mec, là. Enfin, vous allez bien voir, je vais pas spoiler, vous allez bien voir, je vais vous dire à chaque fois qu'il y a un passage que j'aime pas. Donc là, on va... Donc du coup, vu qu'on n'a pas pu sortir de la zone de quarantaine, par la voie légale, c'est-à-dire en montant nos papiers, on va sortir de cette voie illégalement. Donc pour ça, nos chers survivants, qui sont nos chers héros principaux ici, enfin nos héros qui sont actuellement avec nous, ont un petit peu trafiqué et ont creusé un tunnel pour passer de la zone de quarantaine à la zone infectée. Enfin bref, vous allez voir, vous êtes là avec moi pour voir justement. Je sais même pas pourquoi je vous balance tout. Je vais essayer de garder un maximum de mystère. Mystère, mystère. Donc là, il y a un mec qui s'amuse avec une cage. Ça va ? Non, il n'y a pas l'air d'être très coopératif. On va laisser donc dormir tout seul. Alors, continuons donc. J'aime pas ça. Ça serait bien de le retrouver. Donc faut savoir que sur les versions PS4 et PS3 de The Last of Us, je trouve qu'on voit pas tellement la différence graphiquement, je veux dire. Mais on voit plus la différence au niveau des FPS, quoi, de la résolution d'affichage, on est en 60 images secondes. Là, vous voyez peut-être pas dans la vidéo parce que YouTube s'est bridé à 30 images secondes. Mais moi, je suis en train de jouer avec une résolution d'affichage de 60 images secondes et c'est très très agréable de jouer avec un jeu qui joue en 60 images secondes. Surtout que je l'ai fait en 30 images secondes avec la PS3. Donc je vois vraiment la différence. Alors, on pousse cette putain de meuble. Faites attention à vous là-bas. Et nous, on descend en bas. C'est par là qu'on va donc s'échapper. Alors je sais pas si c'est normal mais je vois absolument rien. Ouais. Merci Tess, elle a allumé la lumière. Allons prendre notre matos. C'est par où? Ah, quel con. Je suis paumé moi là-dedans.
Ouais, je connais, merci. Donc, en même temps, au passage, il vous fait un didacticiel avec l'histoire. Pas beaucoup de munitions. Les gaspille pas alors. Alors ça, c'est le truc que je déteste qu'on me dise. Pas beaucoup de munitions. Bah les gaspille pas alors. Blaireau. Ok. Allez, on charge tout pour être prêt. Ok, le Texan. Fais-moi grimper. Ok, ça roule. Allez, viens, ma grosse. Ouais. Bien, madame. Passage, quand on fera monter des gens comme ça, ne regardez pas leurs fesses. Hein. Je sais à quoi vous pensez quand vous regardez. Ouais. Je sais ce que vous regardez exactement quand ils montent. Enfin, sauf là, je regarde pas là. Pas là. Allez. Bien, on sort donc de la zone de quarantaine. Allez. Merci. Donc, nous voilà donc dans la zone infectée. Il ne faut pas avoir peur, hein. C'est tout à fait normal. Je vais juste aller voir ce qui apparaît, parce que j'avais encore jamais fait gaffe. Très bien. Par là, il y a quoi ? Un escalier, un mur troué, enfin bref. Donc alors la première chose qu'on peut remarquer, donc c'est que 20 ans plus tard après l'infection, quand l'infection s'est déclenchée avec la perte de la fille de Joël, on peut voir que 20 ans plus tard, la nature a carrément repris le dessus quoi. Il faut savoir qu'on est exactement dans la même ville qu'avant l'infection. Et franchement bah la végétation elle a carrément repris par dessus quoi. C'est tellement, tellement grand que même l'eau elle est verte quoi. C'est plein de mousse dans le fond de l'eau quoi. Les voitures sont rouillées, c'est de la carcasse. Elle doit être quelque part au coin. C'est vraiment bien pensé quoi. Le game design est franchement bien foutu. Donc ah oui, c'est vrai, faut que je trouve l'échelle. J'ai trouvé l'échelle. L'échelle pour monter. Pousse-toi là, laisse-moi passer. Putain. Allez, fous-moi l'échelle là, toi. Et grimpe. Honneur aux dames, merci, c'est super sympa. Le mec, très élégant, même après une infection, le mec reste toujours très gentleman. Hop là, donc. Voyons voir. Intéressant. Qu'est-ce qu'on a de beau par là? On pourrait peut-être fouiller un petit peu, ouais. Des pièces. Donc les pièces servent à améliorer nos armes. Tout au long du jeu, on trouvera des établis pour améliorer les armes. Donc voilà. Je tenais juste à vous le dire, histoire que vous compreniez bien le jeu pour ceux qui ne l'auraient pas fait. Alors, là on a quoi? Un pendentif des lucioles. Donc on a beaucoup de choses à ramasser dans le jeu en fait. Il y a beaucoup de choses à ramasser. On a des succès avec ça. Faut ramasser des artefacts, des pendentifs. Beaucoup de choses comme ça, vous allez voir. Pour son bien. Enfin, ça change, c'est de divers trucs en fait. Hop. En parlant de marchandises, quand est la prochaine livraison? Attends, des sports. Donc voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. En fait, cette chose là, c'est ce qu'on appelle des sports. Et si nos héros respirent ça sans masque, et ben en fait, on se transforme en infecté. C'est ça le pollen contaminant que les champignons repoussent. Si je pourrais essayer de vous trouver la source des sports. Où est-ce qu'elles sont? Je pense que c'est dans le tunnel. Donc les sports. Donc là voilà. Par exemple là le mec qui a été infecté, vous voyez qu'il a des champignons qui ont déjà poussé sur lui. C'est ça le champignon contaminant. Pareil pour lui, il a un petit peu souffert d'ailleurs. Ça pousse même sur le mur. Enfin bref, vous allez voir que c'est. C'est assez. Ah, attention. Voilà. Le plafond est un vrai gruyère. Attention. Le plafond est un vrai gruyère. Donc moi je compare pas personnellement mon plafond avec du fromage. Mais c'est pas grave. Putain. Ah, vous voyez qu'il a l'air de souffrir un petit peu. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais lui mettre une balle dans la tête. Parce que bon bah on va éviter de le faire souffrir plus longtemps. Pas ça, je prends tes munitions, merci mon pote. Donc là on peut voir qu'on lui a carrément troué le crâne, donc c'est très agréable. Très agréable dès ses premières parties du jeu. Là y'a rien à ramasser. Là on a quoi de boule? Là y'a rien non plus. Par là, y'a quoi?
Donc là, on va voir nos premiers infectés. Voilà, ici. Donc, en maintenant la touche A, en fait, c'est que dans ce mode de difficulté-là, on peut entendre, enfin, on peut voir où sont nos ennemis. C'est assez pratique, vous allez voir, mais... Au passage, je tiens à vous dire que les infectés ne nous voient pas, en fait. Ils sont en partie aveugles à cause des champignons. Mais voilà, c'était juste pour vous dire, parce que sinon vous allez dire « Ah, mais comment tu fais pour pas te faire repérer ?» Enfin, je sais pas, il a une lampe, le mec, il se fait pas repérer. Donc voilà, c'était juste pour vous dire ça. Ah merde, putain, d'habitude, j'ai toujours envie. Voilà, je t'ai mis une balle à la tête, et toi, je te frappe. Yeah, yeah. C'est très violent comme jeu, vous voyez. D'habitude, je l'avais toujours une balle dans la tête, je vous jure. Mais là, je lui ai carrément éclaté le crâne. D'ailleurs, elle est où? Ouais, elle est là. Enfin bref, c'est un jeu assez... assez violente. C'est vraiment un jeu pour les 18 et plus, hein. Si vous êtes enfant, je suis pas responsable des cauchemars que vous ferez après avoir vu la vidéo. Durant votre nuit de sommeil. Donc là, on a quoi là-dedans? Des munitions, toujours intéressant d'en prendre. Faut vraiment un peu fouiller partout, hein. Franchement, si vous voulez survivre à ce jeu, si vous voulez vraiment survivre, il va falloir vraiment fouiller, quoi. Parce que c'est pas en rushant à mort que vous trouverez des munitions, enfin, si sur fortune des mecs. Enfin, quand vous en aurez, parce qu'il n'y a pas toujours que des survivants, hein. Il y a beaucoup d'infectés. Donc là, on a quoi? Une porte. Donc voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà, sur la table, là, on a un artefact. Donc ça, on peut les... On en a 135 à collecter en tout dans le jeu. Et à la fin, à la clé, on a un succès, quoi. Enfin, un trophée, si vous préférez, pour les gamers de PlayStation 4. Donc voilà, on revient à la civilisation, enfin, à l'extérieur. Parce que c'est plus tellement la civilisation. Ok, donc on continue donc. Alors, vous voyez carrément que ça, enfin la nature a carrément vraiment vraiment repris le dessus. On aura qu'à demander du désodorisant à Bill. Alors, continuons notre périple. Vous voyez, il est toujours gentleman, hein, après vous, montez à l'échelle après vous, enfin, etc, etc. C'est Joël, quoi, c'est un bon gars. Alors. Voyons voir ce que ça donne. Donc là, on n'a rien d'intéressant. Ok, donc, comme d'habitude, c'est encore au mec d'aller chercher la planche. La planche est tombée. Putain. En fait, j'ai l'impression que la meuf, enfin vous allez voir que la meuf, elle est pour un peu pour un connard, un esclave, qui veut qu'on fasse tout. En même temps, vous me direz, le mec est plus fort que. Enfin, je suis pas machiste, je suis pas du tout machiste, mais on dirait que ce jeu fait tout pour que le mec, enfin la meuf, elle est pas assez, enfin direct la meuf, elle a pas assez de force pour aller prendre, soulever la planche en dessous, tu sais, alors qu'elle pourrait très bien le faire, hein, j'en suis certain, parce que vous voyez, elle arrive quand même à la reprendre là-haut, donc. Et maintenant on s'en sert pour pas... Par contre, je crois que j'oublie un truc, non? Il y avait rien par là. Quelle autorité? Encore au passage, on peut voir que le mec se fout de sa gueule, hein. Si vous avez pas lu le sous-titre en dessous, elle disait dépêche-toi, enfin ramène tes fesses, on y va, et puis l'autre il fait oh, quelle autorité! Il se fout clairement de sa gueule, quoi. Donc là on redescend. Au passage, vous pouvez voir que j'ai pas fait super attention en vous le montrant, mais les jeux de lumière sont vraiment très très bien faits, quoi. Ils sont magnifiquement, magnifiquement faits, quoi. Les jeux d'ombre, les jeux de lumière, tout le bordel. Alors, pour ceux qui ne savaient pas, il y a un pendentif des lucioles qui est dans l'arbre, juste là. Attendez. Voilà. J'avais peur de foirer mon tir, parce que je suis une grosse merde en tir. Pendentif des lucioles, merci. Alors, voyons voir ce qu'on a là-dedans. On continue donc. Ok. Donc là, on va arriver à une espèce de coin qui a été fait par des. Je suis pas sûr. Mais c'est pas des lucioles, ce sont plutôt des brigands en fait. C'est des mecs qui ont établi un camp, mais c'est vraiment que des trucs illégaux, quoi. Du trafic d'organes, tout le bordel, quoi. Enfin, vous allez voir, il y a des combats de chiens, il y a des conneries comme ça. Enfin, c'est plus un truc de. C'est pas vraiment un truc dirigé par un gouvernement en fait. C'est un camp de survivants, mais dirigé par des mecs qui veulent diriger leur camp, quoi. C'est pas dirigé par des soldats. Enfin, vous allez voir, vous allez comprendre. Je vais pas vous le cacher, hein. C'est bon. Allez, on y va.
Donc voilà, nous arrivons dans le camp. Salut mec, tu vas bien? Salut. Donc voilà, on arrive dans un camp de survivants. Ça fait un peu penser à une sorte de camp de survivants de The Walking Dead. Là, vous savez, quand ils arrivent dans la saison 4 à la fin, au Terminus. Pour ceux qui regardent la série. Donc là, on peut acheter de la bouffe hein, si vous voulez un kebab ou une connerie comme ça. Alors, par contre, c'est un kebab un peu spécial. Hein. C'est un kebab à la viande de rat, vous pouvez le voir. Donc, c'est super agréable à manger. Donc là, vous pouvez parier sur des chiens. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, on a un mec, des mecs pas très agréables. Là, il y a un mec qui fait de la prostitution. Donc, si on veut baiser cette fameuse femme, on est obligé de payer. Enfin, évidemment, c'est la prostitution. C'est le principe même de la prostitution. Je tiens. Bonjour. Il veut pas que je passe. Je vais passer là. Donc là, on peut voir un magnifique combat de rue. Une banlieue 13 en mode The Walking Dead. Ou en mode The Last of Us, si vous préférez. Là, il y a un petit con qui va se la jouer. Voilà. Là, il veut se la jouer. Là. Voilà, merci. Tu respectes mon autorité, enculé. Là, on descend. C'est qui? Voyons voir. Là, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Déjà, tu me parles autrement, s'il te plaît. C'est pas parce que t'es un petit con que. Avec ta bière à la Mindcane, je vais te défoncer la gueule. Pour ceux qui savent pas, ici on a un truc à ramasser dans le coin là. Attendez, je sais même plus où il est. Là, dans l'eau là. Ici. Hop là. Et au passage, on a un truc à ramasser là aussi. Une affiche. Hop là. Voilà, donc en même temps je vous montre où sont les trucs. Salut Tess, qu'est-ce qu'on a de beau? Alors, je cherche Robert. Donc Robert, vous allez voir, c'est un connard qu'on poursuit depuis le début du jeu. C'est à cause de lui qu'on a perdu nos armes, que Tess a malencontreusement perdu aussi. Enfin, au début de la cinématique, 20 ans après, on voyait que Tess parlait d'un stock d'armes. Et ben, c'est ce stock d'armes qu'on cherche. Donc là, au passage, je vous montre un truc. Là, vous allez voir, il y a une cinématique qui va s'enclencher. Vous inquiétez pas, c'est pas ma capture du jeu qui bug, c'est le jeu, clairement, qui bug. Les voix sont décalées par rapport aux cinématiques. Vous allez voir que c'est très marrant. Je vous laisse regarder parce que c'est assez intéressant. Faut qu'on passe. Donc là, vous voyez, le mec parle, mais la voix ne vient pas. Et la voix parle maintenant. C'est complètement con, mais ça a toujours été comme ça. Il n'y a que dans cette période du jeu que ça bug. Je ne sais pas pourquoi, même sur PS3 ça le faisait. Ils l'ont même pas amélioré sur PS4. Enfin, c'est un peu dommage. Alors, je sais pas si ça vient de la version française ou si c'est pareil dans la version US, mais j'espère pas pour eux. Parce que... Oh, bah elle est sympa elle, elle a carrément descendu. Donc là, c'est un peu une partie. Donc là, vous voyez qu'on est contre des brigands survivants. Quoi. C'est pas des infectés, c'est des mecs normaux et qui sont pas très. Pas super sympas. Quoi. Alors, je vais essayer de mettre une balle dans la tête. Ah, c'est blessé, enculé. Voilà, toi je t'ai niqué ta gueule. Même pas! Putain. Voilà, toi je t'ai niqué, toi je te nique. Et voilà, c'est fait. Oh le bâtard! On va le finir au point celui-là. Bah, il devait être vraiment bien amoché parce que vu un seul coup de poing mon gars on l'a niqué. Toi aussi. Bon ok, on continue. Comment il a fait pour tous les remettre? Au passage j'ai perdu un peu de vie mais ça c'est un détail, hein, c'est pas grave. Allez Tess, tu vas grimper là s'il te plaît. Allez ma grande. À moi maintenant. Donne-moi ta main. Merci. Bon, franchement, je suis désolé. Je vous ai dit tout à l'heure, elle nous oblige à porter la planche alors qu'elle pourrait très bien le faire. Elle arrive très bien à me porter quoi d'un seul bras, donc je sais pas comment. Je suis carrément plus lourd que la planche, ça c'est sûr. Alors je sais pas comment elle fait pour pas vouloir porter la planche quoi. Ah ouais, c'est un détail, hein. on va pas non plus chipoter. Alors. Donc là on a encore des connards qu'il faut tuer. On va essayer de la faire en infiltration, en discretos. C'est un truc que je ne gère pas du tout le discretos, hein, si vous me connaissez depuis longtemps pour certains. Alors, on y va. Dès que je peux bouger. Hop. Donc là, elle va le cuter, je suppose. Voilà, comme ça.
super agréable de mourir comme ça. Enfin, sentir une lame qui rentre dans votre gorge, je pense pas que ce soit très agréable. Ok, donc là, il y a de la vie. Merci. Alors là, si je me rappelle bien, il faut attendre qu'il soit dos à dos. Alors, vous n'allez pas me dire que la... Enfin, ok. Donc là, ils se parlent entre eux, on va attendre qu'ils se... Voilà, on va attendre qu'ils se mettent dos à dos, chacun. Ok. On y va doucement. Et maintenant, on étrangle. Et elle va faire pareil. C'est super sympa de mourir comme ça. Et logiquement, il en reste plus qu'un. Merde, j'ai pas pris de trucs pour le distraire. Fait chier. Allez, c'est parti. Blah, voilà, celui-là j'avais envie de le faire comme ça, je suis désolé, mais c'est comme ça que je voulais le finir. Allez. Donc maintenant qu'on a la clé, on peut se barrer. Gentiment. Hop. Ah ouais, donc elle l'a carrément cuté quoi. Elle l'a même pas étranglé. Ok. Elle lui aurait carrément foncé un coup de lame dans la gueule. Enfin, dans la gorge. Voilà, on est passé. Encore des mecs. Donc je sais pas comment je vais procéder. Je vais peut-être passer comme ça. Attendez, je vais réfléchir hein, parce qu'il faut vraiment adopter une stratégie claire et précise. Je vais balancer une bouteille là-bas. Où sont-ils? Vite, étrangle-le, vite! Allez, planque-toi. Genre, il m'a vu, putain. Il a surtout vu le corps, en fait, c'est ça le problème. Putain, il va venir de l'autre côté. Salut, mec. Toi, je te matraque la gueule, je te batte. Une steak. Pouh, patate dans sa bouche. Alors. Il en reste un, logiquement, donc je sais pas où il est. Il y a. Je lui balance une bouteille dans la gueule. Vas-y, y'en a. Voilà, maintenant. Non. On tabasse. Oh merde. Je sais pas, je tapais dans le vide là, je sais pas pourquoi. Bon, enfin bref, c'est pas grave, on l'a niqué. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau par là? Que dalle. Par là non plus. On va monter là-haut. Je le sens mieux. Yaaaaah! Yaaaaah! Voilà. On l'a attrapé, on l'étrangle. Discrètement. Au calme. Ok, donc ça c'est bon. Là on n'a rien d'intéressant à ramasser. Je sais pas où est l'autre. Normalement il y en a un autre. Visiblement il est pas là. Alors là. Donc là on va utiliser le surin. Le surin c'est pour tuer des mecs discrètement par derrière au couteau. Comme la meuf elle faisait. Passage, je peux en confectionner un. Voilà. Donc ça, le menu confection, c'est pour tous les trucs qu'on ramasse, genre des bouteilles, des trucs comme ça, des morceaux de ciseaux, des trucs comme ça. C'est pour faire des lames, fabriquer des kits de soins, des trucs comme ça. Vous allez voir, c'est tactique. Je sais pas où il est l'autre. Normalement, il y en a encore un. Voilà, un kit de soins, une bouteille. Ah, il est là, l'autre. Je vais essayer de le niquer tranquillement, discrètement par derrière. Yeah. Et voilà, c'était magnifique cette attaque. On l'a bien chopé par derrière, on l'a niqué. C'était parfaitement coordonné. Alors, on va donc continuer. Attendez, je regarde juste vite fait où on en est dans la capture. 45 minutes, ouais. Je vais tâcher de faire des épisodes d'à peu près 50 minutes. On va pas faire plus que... Enfin, 50 minutes, voire une heure au pire. On va pas tâcher de faire des plus gros trucs. Alors. Je pense même que je vais... Ok.
Voyons voir ce qu'on a ici. Donc c'est lui qu'on cherche, ce fameux type dégueulasse, plein de crasse sur lui d'ailleurs, je sais pas pourquoi. Alors ce que je vais faire, c'est que voilà, on a déjà un épisode assez long, je pense, pour le premier épisode. Je vais m'arrêter là. On va reprendre exactement là où on s'était arrêté. Donc du coup, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Avant, je vais vous dire un petit message. Si vous voulez continuer à regarder ce let's play de The Last of Us, je vous conseille un truc, c'est de regarder dans la description, vous aurez le lien de mon Twitch, de ma chaîne personnelle, mon compte Facebook, enfin ma page Facebook, le lien de la playlist de ce let's play. En attendant, je vous dis, enfin en attendant, dites-moi dans les commentaires, ou par j'aime, enfin par les pouces verts ou rouge, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse de voir un let's play sur ce jeu. Moi je suis très très emballé pour le faire, surtout que maintenant j'ai du matériel pour filmer. Mais dites-moi directement si vous avez très envie que je continue ou pas. Et sinon, bah, je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde, et n'oubliez pas de regarder la description. Allez, salut.